Yo, 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 la nouvelle tourne actuellement sur la toile. Il s'agit de Didi B, hein, Didi B qui vient d'officialiser donc son union avec Sarah Dalaoui. Dalaoui, si je prononce bien, hein, voilà sa femme. Rappelons que lors de son concert, il avait fait sa demande en mariage. Donc voilà, union qui s'est concrétisée. Donc aujourd'hui, ça tourne un peu partout en boucle, hein, leurs images. Félicitations à Didi B, hein, mérité amplement. Didi B qui fait une année exceptionnelle. De mon point de vue personnel, il fait une année exceptionnelle. Tout d'abord, il a fait sortir son album. Hein, voilà, il ne fait qu'enchaîner des hits, des hits, des hits, des hits, des hits sur des hits. Son dernier projet en gros capitalise plus de 6 millions, voire 7 millions de vues. Je ne sais pas si je me trompe. Hein. Voilà. Donc du coup, Didi B, il fait une année exceptionnelle. Pour moi, il mérite tous les trophées. Tous les trophées de cette année, remettez-le à Didi B. Il a réalisé une année fantastique, sortie d'album. Il nous a proposé de gros hits, il a fait des scores incroyables en termes de stream. Il a fait donc son concert au Palais de la Culture, voilà. Il rentre dans le cercle fermé de ces rappeurs qui ont eu à effectuer leur concert au Palais de la Culture. Je note notamment KS Bloom, Fjord Björk qu'il a fait récemment et puis voilà Suspect 95. Donc voilà, il rentre dans ce cercle-là et voilà, il vient concrétiser son union avec sa dulcinée, celle qu'il a toujours accompagnée tout au long de sa carrière. Donc chapeau au couple, c'est un couple que j'apprécie vraiment, hein, voilà, du point de vue extérieur de ce qu'ils affichent, comme ce qu'ils nous montrent, je ne sais pas, je suis pas dans leur foyer, mais de ce qu'on voit, ils sont très heureux, très amoureux, donc voilà, chapeau, Didi B. Donc voilà la grosse news Info Express du jour, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification si tu veux être au courant, voilà.